Bonjour, alors je vous propose une correction en vidéo du DS sur l'identification des espaces chimiques. Donc regardez-la bien en détail, en particulier, c'est l'avantage de la vidéo, allez directement sur les exercices que vous n'avez pas su faire. N'hésitez pas éventuellement à regarder même ceux que vous avez su faire, hein. Il y a sûrement des petites choses à apprendre. Par exemple, premier exercice sur la masse sur la masse volumique, et une partie sur la précision de vos résultats. Que je vous conseille tous de voir. Alors c'est parti. Identifier un solide par sa masse volumique. Donc on vous donne déjà, vous avez un tableau ici avec des masses volumiques en kilos par mètre cube. Attention aux unités. Voilà, on a différents matériaux. Et on vous dit, on plonge un objet métallique. Alors un objet métallique, déjà on pourrait écarter quelques exemples là-dedans. De masse 52 grammes dans une éprouvette graduée remplie d'eau. Le niveau monte alors, comme on peut voir sur le schéma de l'expérience, sur ce schéma-là. Bon, bah ça, c'est la bonne vieille méthode de mesure du volume par déplacement d'eau. Quelle était la première question? Première question, rappeler la formule de la masse volumique. Bon, bah ça, c'est ρ. Alors attention sur la façon dont vous dessinez votre ρ. ρ, je vous rappelle que c'est pas un P. Faites-le d'un seul trait pour avoir l'arrondi et que ça ressemble pas à un P. Égale la masse divisée par le volume. Peu importe les unités. Hein. Si c'est une unité de masse et que vous divisez ça par une unité de volume ou de capacité, hein, des litres par exemple, il n'y a pas de problème, c'est une masse volumique. Hein, sachant que les masses volumiques standard, on va souvent parler de grammes par centimètre cube ou de grammes par millilitre ou de kilos par mètre cube. Mais si on sortait du système métrique, des LBS par square feet, dans l'absolu, cubic feet, pardon, square feet ça marcherait pas, mais cubic feet, des livres par pied cube, bah, des livres c'est une unité de masse, et des pieds cubes c'est une unité de volume, on est sur une masse volumique. Ok? Alors je déconseille de jouer à ça parce que ça va être vite un bazar sur les conversions. Voilà, mais ça par contre c'est des unités usuelles que vous pourrez avoir. Déterminer graphiquement le volume du solide. Alors, détaillé, bah oui, il y a eu des petites erreurs. Alors, bien sûr, il faut faire attention, on a des millilitres, ok, ça en général, vous l'avez bien vu. La petite erreur que j'ai pu avoir, c'est tout simplement, il y en a qui se sont dit, ok, bah, on a une demi-graduation, il y a des graduations intermédiaires après le 40, donc c'est forcément 45. Eh ben non, c'était pas 45, parce que si on passe de 40 à 60, entre les deux, c'est 50. Donc ici, il fallait lire 50 millilitres, ici, il fallait lire 80 millilitres, là, il n'y avait pas de piège. 80 moins 50, ça vous est 30 millilitres, vous aviez le volume. Calculez ensuite la masse volumique de solide, puis la convertir en mètre cube. Bah là, vous utilisiez votre bonne vieille masse formule, ρ égale m divisé par V, vous m'aviez rappelé juste avant. Votre masse est 52 grammes, vous me divisez ça par le volume qui est 30 millilitres, 52 divisé par 30, ça fait 1,7, et votre calculatrice, vous mettez les 3. À n'en plus finir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, c'est ça que ça vaut le coup d'écouter, même si vous avez eu tous les points à l'exercice, parce que je ne vous ai pas pénalisé par rapport à ça. On n'en a pas parlé, c'est normal, on n'en va pas en reparler cette année. La précision, le nombre de chiffres significatifs que vous me mettez, ça n'a pas de sens de mettre 14 chiffres après la virgule. Mais où est-ce qu'il faut s'arrêter exactement? Si on vous donne des chiffres ici, à deux chiffres significatifs, hein, 52, il y a deux chiffres significatifs, 30, il y a deux chiffres significatifs. Je vous rappelle rapidement, si vous aviez par exemple 17,03, ici on a quatre chiffres significatifs, hein, il faut tous les prendre. Si vous aviez 17,0, si vous avez quelque chose comme ça, les zéros que vous rajoutez avant ne comptent pas. Attention, si on vous donne un résultat de 17,30, ça veut dire qu'on estime que la précision est bien au centième. Donc là, vous avez bien quatre chiffres significatifs. Par contre, si on vous donne 17,3 et que dans vos calculs, après, derrière, votre calculatrice vous donne un résultat qui fait par exemple 8,04000000, là, où est-ce qu'on va s'arrêter? Ce n'est pas votre calculatrice qui vous donne la réponse. C'est justement la précision. Oh, sympa. Alors le calcul en lui-même, il était facile. Il suffisait de reprendre ρ égale m divisé par v. La masse, c'était 52 grammes.
Le volume, c'était 30 millilitres. Et ça, dans votre calculatrice, ça donne quelque chose, etc. Alors, avec des 3 à l'infini, ça dépend de votre calculatrice. Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Il faut s'arrêter au nombre de chiffres significatifs limitants. Hein, c'est-à-dire que quand vous faites une multiplication ou une division, là en haut, vous avez 2 chiffres significatifs. Okay, dans 52. Sur 30, vous avez 2 chiffres significatifs aussi. Donc la limite, le plus petit des deux, en l'occurrence, les deux sont pareils, donc c'est ces 2 chiffres significatifs. Mais si vous aviez un premier nombre à 5 chiffres et le deuxième qui avait uniquement 3 chiffres significatifs, eh ben, il faudrait prendre 3. Okay, parce que c'est le plus petit des deux. Donc là, en l'occurrence, on est à 2 chiffres significatifs. Quand est-ce qu'on arrive à 2 chiffres significatifs? Ben, là, vous en avez un premier, là, vous en avez un deuxième. Tout ce qui est derrière n'est pas pertinent. Okay. Donc finalement, si vous me disiez 1,7 g grammes par centimètre cube, j'allais mettre millilitres, ça serait pareil, mais on va garder en grammes par centimètre cube, 1,7 g par centimètre cube, c'est la précision qu'il fallait donner ici. Ensuite, on avait une conversion à faire. Alors la conversion de ce 1,7 g par centimètre cube, hein, je vous rappelais la méthode, 1,7 g par centimètre cube, vous le réécrivez sous la forme d'une fraction, vous dites, bah, ça veut dire que 1,7 g, c'est ce que pèse 1 cm cube. Et vous me faites en haut une conversion des grammes vers les kilos. 1,7 g, ça fait 0,0017 kg. Et 1 cm cube, ça fait 0. Alors là, attention, 0, hein, vous n'en mêlez pas les pinceaux, 1, 2, 3. Ça nous fait ça en mètres cubes cette fois-ci, hein, parce que quand on passe des centimètres cubes au décimètre cube, on a divisé par 1000. Puis au centimètre cube, puis au mètre cube, pardon, on a redivisé encore par 1000. Donc là, on a divisé, on est 1 million de fois plus petit. Et ça, ça nous donne 1700 kilos par mètre cube. Chiffre qu'il fallait ensuite aller comparer à notre tableau pour identifier. Alors, on vous disait, au niveau de la question, on suppose que ce solide est constitué d'une seule espèce chimique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se baser sur la masse volumique d'une espèce chimique. Alors qu'est-ce qu'on avait ici? Bon, on avait plein de matériaux. En plus, on savait que c'était un métal. Donc on pouvait, il n'y avait pas d'ambiguïté, mais on aurait pu écarter déjà ces trois-là. De toute façon, 1,7 là, 1700, on voit bien que 1750, on n'est pas loin du zinc. Donc c'était le zinc qu'on identifiait très clairement dans cet exercice. Voilà, exercice numéro 2. Alors exercice numéro 2, sur les changements d'état, on veut identifier un liquide, on chauffe ce dernier, on suit l'évolution de sa température. Le but du jeu pour identifier un liquide, de le chauffer, c'est de voir à quelle température il va se mettre à bouillir. Il y a une première chose importante, c'est est-ce que vous allez observer un palier? Alors je vous rappelle qu'on mesure au cours du temps, on n'a pas besoin d'avoir le détail. On vous dit le temps en minutes, mais en fait, on avait ici, j'avais même pas les valeurs des graduations, peu importe. Mais on est en train de chauffer, donc on avance dans le temps, comme ça. Là, c'est le début de l'expérience, on chauffe. Donc ça commence, la température commence à monter, voilà, ça monte. Et tout à coup, on a beau continuer à chauffer, la température s'arrête de monter. Elle se stabilise. Elle se stabilise parce que là, on est en train d'avoir un changement d'état pour un corps pur. Si on avait un mélange, on aurait une inflexion de la pente, on monterait un petit peu moins vite, mais on continuerait à monter significativement. Là, même si la zone n'était pas très grande, et si on a déboussolé quelques-uns, on est quand même ici sur un vrai palier franc, il y a quand même vraiment une partie horizontale. Hein, sur une courbe, de, par exemple, si ça avait été de l'eau salée, on aurait quelque chose plus comme ça, et on remonte, et on repart comme ça. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, il n'y a pas de partie horizontale du tout. Voilà, donc ici, s'il y avait un palier, cette petite zone-là, on voit, on a une partie qui est bien horizontale. On avait un palier, et donc on pouvait en déduire que si on a un palier, c'est que c'est un corps pur, ça n'est pas un mélange. Palier, corps pur, pas de palier, mélange. Ça, c'était pour la question B1. Pour la question B2, considérons maintenant les valeurs de température du tableau ci-contre, déterminer de quel liquide il s'agit. Alors là, on vous donne des températures de fusion, des températures d'ébullition. Alors, fusion ou ébullition? On vous dit qu'on chauffe un liquide. Si on chauffe un liquide, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une ébullition de ce liquide. La fusion,
C'est si on le refroidissait, au bout d'un moment, on aurait une solidification. C'est là le même palier que la fusion, mais c'est dans l'autre sens, quand on refroidit au lieu de chauffer. Mais ici, on a une ébullition, une vaporisation. Ébullition, on n'est pas du tout sur une fusion. Donc ça, on pouvait écarter toutes les températures de fusion, notamment 63 qui pouvait vous piéger un peu parce qu'il n'est pas très loin de notre palier. Il est hors propos. Ensuite, alors là, on avait un 59 et on avait un 56 pour essayer d'identifier. Et il y en a quelques-uns qui sont tombés dans le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'était de dire, ah ben, on est juste une graduation en dessous de 60. Une graduation en dessous de 60, bah, ça va être 59. Ben non, ce n'est pas forcément une unité. On a vu que tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a sur une demi-graduation qu'on allait hein, sur les graduations ici, qu'une demi-graduation, ça allait être la moitié d'une dizaine. Ben non, ça pouvait être une dizaine parce que les graduations étaient de 20 en 20. Donc il faut à chaque fois regarder attentivement comment c'est gradué, à quoi correspond la graduation la plus fine. Hein, super important. Donc ici, la graduation la plus fine, elle correspond à quoi? Ben, vous regardez, entre ici et ici, on est monté de 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux, et on est monté de 20. Donc si 5 carreaux, ça correspond à 20, hein, je vous rappelle que c'est des degrés Celsius, ça veut dire que 1 carreau correspond à 5 fois moins, hein, votre règle de 3, 1 fois 20 divisé par 5, 4 degrés Celsius. Donc chaque petit carré, ici, correspond à 4 degrés. Donc si vous êtes un carré en dessous de 60, vous êtes à 60 moins 4 égale 56 degrés. Hein, ça, c'était votre palier. Ébullition à 56 degrés. Et 56 degrés, voilà, là, on était donc sur celui-là, 59, ça, c'était le piège. Quelques-uns qui sont tombés dedans. Désolé. Voilà, l'important, c'est de s'en souvenir maintenant. Donc on identifiait de l'acétone, température d'ébullition 56 degrés. En dessous, vous aviez un diagramme qui illustrait la température d'un métal pur au cours de son chauffage. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur une véritable expérience. Hein. Vous avez des rampes de température qui montent, qui sont parfaitement droites, des paliers qui sont parfaitement droits. Là, on voit bien que on est plus sur quelque chose de théorique que sur des une expérience pratique où on va avoir voilà, des choses qui sont dessinées de façon moins franche. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté, hein, les paliers sont d'une franchise absolue. Et on demandait d'identifier toutes ces différentes phases, A, B, C, D, E. Donc on part du solide, hein, quand on est le plus froid, c'est forcément l'état solide. Au fur et à mesure que vous allez chauffer, qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez? Ben, sa température monte. Si sa température arrête de monter, c'est que vous êtes en train de le fondre. Donc ici, vous êtes sur la fusion. Une fois qu'il a fini de fondre, sa température recommence à monter. Cette fois-ci, vous avez un métal liquide. Okay? Vous avez fondu votre métal. Sa température monte, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, ça monte, on arrive à presque 3000 degrés. Qu'est-ce qui se passe à 3000 degrés? Vous allez avoir carrément une évaporation de votre métal liquide. Donc votre métal devient gazeux. Hein, ça, le gaz, ça sera la dernière étape. Et ça, c'est le palier d'ébullition. Palier d'ébullition, votre liquide devient gaz. Hein. Donc ici, on a des paliers. Ça, c'était la question suivante. Comment s'appelle alors, à quelle lettre correspond la phase liquide? C'était C, bien sûr. La phase solide, c'était le A. La phase gaz, c'était le E. Comment appelle-t-on les autres zones? B et D, c'était des paliers. Hein, ou des changements d'état, éventuellement. Mais là, c'était plutôt paliers, je voulais voir. Dans quel état se trouve ce métal? Dans la zone D. Bah, la zone D, c'est le palier d'ébullition. Dans quel état? Est-ce que ça va être l'état liquide, l'état gazeux? En fait, vous avez une cohabitation. Vous avez une partie de la matière qui est à l'état liquide, qui est encore à l'état liquide, et une partie qui est déjà à l'état gazeux. Au début, vous avez que du liquide, puis de plus en au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de gaz. À la fin, vous avez quasiment plus de liquide. Puis vous avez que du gaz, et là, vous êtes sorti du palier. Ce gaz va pouvoir monter en température. Voilà, ça c'était. Donc il y avait deux exercices sur ces histoires de changement d'état. Voilà, j'espère que ça sera plus clair après cette correction. Exercice C, identifier des ions. Donc là, on retrouvait vraiment les choses qu'on avait fait en TP. Avec ici, je vous ai mis des étiquettes de minéral. Vous aviez deux eaux minérales différentes et je vous proposais
de les différencier avec un, de les différencier avec un seul test. Vous aviez choix entre nitrate d'argent, sulfate de cuivre à nuire, eau de chaux et oxalate d'ammonium. Alors je vous avais rappelé, pour le nitrate d'argent et l'oxalate d'ammonium, hein, je vous avais rappelé ça, même si je vous ai demandé de l'apprendre. Je vous le rappelle ici quand même dans un tableau. Quel test choisir? Alors, il y en a qui m'ont donné directement le bon test, qui m'ont expliqué pourquoi, mais il y en a qui ont carrément expliqué test après test pourquoi ils allaient prendre, enfin réactif après réactif, pourquoi ils n'utilisaient pas celui-là, etc. Donc c'était bien, hein, si vous avez le temps, c'est bien de prendre le temps d'écarter, de parler de chacun des quatre réactifs en fait. Donc, alors le sulfate de cuivre anhydre, pourquoi est-ce qu'on pouvait l'écarter? Le sulfate de cuivre anhydre, c'est la poudre blanche qui devient bleue lorsqu'elle est en contact de l'eau. Alors si vous testez de l'eau minérale, oui, ça va tourner bleu, ça va vous dire que dans l'eau minérale, il y a de l'eau. On n'a pas appris grand-chose et ça ne vous permettra sûrement pas de retrouver à quelle étiquette appartient chaque bouteille. Ensuite, on avait quoi? On avait l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est pour identifier le CO2 sous forme gazeuse. Okay, hein, le gaz CO2. Donc en l'occurrence, là on cherchait à identifier des ions dans un liquide, ce n'était pas du tout un test adapté. Donc il nous restait le nitrate d'argent et l'oxalate d'ammonium, les deux qu'on avait donnés ici, qui sont là bien des tests pour identifier des ions. Et en l'occurrence, les ions chlorure et les ions CA, on pouvait voir ici qu'on avait des ions chlorure dans les deux. Alors on va les colorer, les ions chlorure, je vais les mettre en bleu ici, chlorure, et il y avait aussi des ions calcium, là et là. Alors les ions calcium, on en a 29 d'un côté, 41 de l'autre. Alors 29 et 41, il y a un écart entre les deux qui est de l'ordre de 25%. C'est pas un écart énorme, on est vraiment sur les ordres de grandeur qui sont similaires. Donc quand vous avez un test où on a l'obtention d'un précipité, bah vous allez avoir un précipité dans les deux cas. Il sera peut-être un petit peu plus dense dans l'étiquette du bas parce qu'elle contient un petit peu plus de calcium, mais ça va être difficile à évaluer. Alors que si vous regardez au niveau des chlorures, ici on vous dit les chlorures, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire on est inférieur à 1 mg, on n'a pas pu préciser mieux que ça, alors que les chlorures ici, on en est à plus que 15. Donc il y a au moins 15 fois plus d'ions chlorure dans l'étiquette du bas que l'étiquette du haut. Donc le test de l'ion chlorure, c'est ça qui va vous donner une réaction nette. Donc le test de l'ion chlorure, c'est celui-là, le nitrate d'argent, ça vous donnera un précipité blanc. Un précipité blanc s'il y a des ions chlorure. Voilà, donc le réactif à choisir, c'était celui-là pour les raisons que je viens de vous expliquer. Il y avait ensuite un petit exercice de modélisation. Alors j'ai fini par le retirer du barème parce que modéliser, vous êtes pour beaucoup parti sur des schémas. Alors que je pense que dans l'absolu, vous savez bien faire ça, mais la façon dont la question était posée vous a un peu désarçonné, donc je vais juste tout corriger rapidement. Je vous rappelle que pour modéliser un gaz, un solide ou un liquide, c'est la façon dont les molécules sont agencées. C'est vraiment une représentation qui essaye de tenir compte des propriétés de la matière. On sait qu'un solide, il a une forme propre, qui ne dépend pas du récipient dans lequel on le contient. Un liquide, il va prendre la forme du récipient, mais il aura une surface horizontale plane. Donc en l'occurrence, si je vais faire des petites boules bleues pour représenter, on va dire que ça, c'est une molécule de H2O. Et ces boules bleues, eh ben, si j'ai un liquide, alors normalement, elles devraient être toutes de la même taille. Hein. Bon, là, je fais un peu rapidement. Elles prennent la forme du récipient, elles sont tout en bas. Alors que si, ça, c'est pour ma partie liquide. Et pour ma partie gaz, ben, sur un gaz, ça occupe tout l'espace disponible. Et on pourrait rajouter aussi éventuellement des petits traits pour montrer que ces molécules sont très agitées, elles se déplacent rapidement. Donc là, on a ici la partie gaz, on a ici la partie liquide, mais il n'y a pas besoin de légender ça comme un gaz, légender ça comme un liquide. La modélisation, normalement, suffit à identifier la partie au liquide et la partie vapeur d'eau. Donc c'était juste ça que je vous demandais. Exercice E, chromatographie d'une huile essentielle de menthe. Alors, pour cette chromatographie, il s'agissait déjà
Bon, je ne vous relis pas l'énoncé, hein, vous l'avez. Il s'agissait d'expliquer le principe général. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis à me détailler le protocole, à me détailler la recette de cuisine. Mais là, il s'agissait déjà de m'expliquer à quoi ça sert et comment on s'y prend, comment cette méthode, sur quoi cette méthode se base. Ben, à quoi ça sert? Ça sert à séparer, distinguer, essayer d'analyser les différentes espèces chimiques qu'on peut trouver dans un produit, en l'occurrence notre huile essentielle de menthe. Et comment on va s'y prendre? Ben là, on va se baser sur la vitesse à laquelle chacune de ces molécules va se déplacer lorsque on les place sur une face solide, qui était en l'occurrence notre papier, et qu'on fait tremper cette feuille dans une phase mobile, qui va être un éluant, qui remonte par capillarité le long de la feuille, et qui va entraîner à des vitesses différentes ces différentes molécules. Hein, certaines molécules vont avoir une grosse affinité avec la face solide, elles vont rester un peu accrochées, elles vont avoir du mal à monter. Il y en a d'autres qui vont au contraire partir très facilement dans la phase mobile. Donc ça va dépendre de qu'est-ce que vous allez utiliser comme phase mobile, qu'est-ce que vous allez utiliser comme phase solide. On peut tester différentes combinaisons pour essayer de distinguer les différentes molécules. Si vous avez une tâche qui a une certaine distance du point de départ, hein, par exemple, soyons précis, si on prend cette tâche ici, hein, c'est arrivé jusque-là, ça pourrait très bien être deux molécules différentes qui, il se trouve, iraient à la même vitesse sur cette feuille de papier, avec ce solvant qu'on a utilisé. Mais en tout cas, si vous avez deux tâches différentes, comme ici et ici, ça veut dire que c'est des molécules différentes. Parce que si c'était les mêmes molécules, il n'y a pas de raison que certaines ne soient arrivées que là et d'autres soient arrivées que là. Hein, si à la limite c'est une grosse tâche étalée, je ne sais pas, mais là on a clairement deux vitesses de migration différentes. Donc on a au moins deux composés différents. Alors pour notre huile essentielle de menthe, hein, qui était l'huile essentielle de menthe, c'était la piste numéro 1, donc c'est tout ça. On voit que notre huile essentielle de menthe, elle s'est décomposée en cinq tâches différentes. Ah oui, j'ai oublié de répondre à la deuxième question. À quoi correspond le trait un petit peu en dessous, hein? Le trait un petit peu en dessous, c'était ce trait ici. Ce trait ici, pardon. Ce trait-là, il correspond à la hauteur maximale atteinte par notre phase mobile, hein, par notre éluant. Et on appelle ça le front de l'éluant. Okay. Aucune tâche ne va plus haut que ce front. On peut avoir des tâches qui seraient arrivées jusqu'au niveau du front de l'éluant, mais les différents pigments ont été emmenés, enfin pigments, les différentes molécules ont été emmenées par l'éluant, donc ils n'ont pas pu le dépasser. Voilà, donc ça c'était le front de l'éluant. Qu'observez-vous et que pouvez-vous en conclure? Alors c'est là où vous pouvez dire quand même pas mal de choses et je n'ai pas réussi à trouver toutes les informations sur une copie. On y était presque, mais je n'ai pas vraiment eu toutes les informations. La première information, c'est que l'huile essentielle de menthe est un mélange. Et c'est un mélange constitué d'au moins 5 espèces chimiques différentes. 2, 3, 4, 5. On a 5 vitesses différentes de migration. Donc on a au moins 5 espèces chimiques différentes. Ensuite, on peut voir que cette première tâche, par exemple, c'est une espèce chimique qui a migré à exactement la même vitesse que la numéro 2. Et la numéro 2, c'était quoi? C'était de l'huile essentielle de menthol. Donc on peut en déduire que sans doute, cette tâche-là correspond au menthol qui était dans notre huile essentielle de menthe. Donc notre huile essentielle de menthe contient du menthol. De la même façon, on peut voir que cette tâche ici, même si elle est plus grosse, ce n'est pas la question. La question, c'est à quelle hauteur elle est arrivée. Plus grosse, plus petite, ça dépend de la quantité que vous aurez. On voit, voilà, ici, il y aura sans doute plus de menthone, ça c'était le menthone, que de menthol dans l'huile essentielle de menthe. Mais là, on ne demande pas de quantifier. Hein. Donc, on a ici, hein, le numéro 3, on voit que ça correspondait à notre menthone. On a visiblement du menthone dans l'huile essentielle de menthe. Ensuite, on a encore une tâche qui correspond ici. On a une tâche ici qui a la même hauteur que cette tâche-là. Et cette tâche-là, elle correspondait à notre flacon numéro 4. Notre flacon numéro 4, c'était du menthofurane. Eh bien, on peut dire, encore une fois, que notre huile essentielle de menthe contient du menthofurane. Donc, on a identifié dans notre huile essentielle de menthe du menthol, menthone et menthofurane. Trois éléments.
Mais on a cinq tâches. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux tâches qui restent? Okay. Ben, les deux tâches qui restent, elles correspondent à aucun des éléments qui ont été donnés. Et notamment, elles ne correspondent pas du tout. Elles ne correspondent pas du tout à notre tâche qu'on a ici, hein, la tâche qui correspondait au numéro 5, qui était l'eucalyptol. Donc, c'est-à-dire, on a identifié du menthol, du menthone, du montfaucon. Il nous reste deux espèces inconnues, mais on est sûr que ce n'est pas de l'eucalyptol. Hein, parce que sinon, la tâche de l'eucalyptol aurait été soit en face de celle-là, soit en face de celle-là. Donc, les infos qu'on pouvait extraire, c'était le fait que ça soit un mélange, le fait que ça contienne le menthol, le menthone, le montfaucon, le fait que ça ne contienne pas l'eucalyptol, et le fait qu'il restait quand même deux composants qui n'étaient pas identifiés. On pouvait déjà tirer toutes ces informations-là de ce chromatogramme. Voilà ce que j'aurais aimé voir sur cet exercice-là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette correction, et à très bientôt.